C'est une structure qui vient appuyer la configuration de l'écosystème entrepreneurial dans la ville Océane. Pointe-Noire et le Quilou viennent d'être dotés d'une direction interdépartementale de l'Agence congolaise pour la création des entreprises. La mise en service de cette administration est intervenue ce 3 mai. L'Agence congolaise pour la création des entreprises est un établissement public à caractère administratif créé par loi numéro 16-2017 du 30 mars 2017. Cette agence est le guichet unique des formalités administratives des entreprises. Elle a pour principale mission de faciliter et simplifier les formalités de création, modifications diverses, autorisation temporaire d'exercice et radiation des entreprises. Sous tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, la CPCE se veut être de plus en plus proche des acteurs économiques. Une ambition qui n'épargne pas Pointe-Noire, capitale économique. L'érection de cette direction avec tous les services nécessaires contribuerait à l'atteinte des objectifs de ce département ministériel. En mettant en place un cadre optimal d'accueil, d'information et de conseil aux entreprises, les bases sont ainsi posées pour permettre à la CPCE d'offrir pleinement des services efficients et efficaces aux usagers. Le travail le plus dur va ainsi commencer. En effet, après avoir façonné l'édifice, il va falloir amener les femmes et les hommes à rompre avec les antivaleurs et se mettre résolument au travail et au service des usagers. L'Agence congolaise pour la création des entreprises sert de pont entre les porteurs de projets, les entrepreneurs et le ministère des PMEA en matière de formalisation administrative des entreprises.